Janvier, l'eau chiche fait le paysan riche. Alors, en janvier, peut-être qu'il n'y a pas d'eau, mais là, tu as quelques réserves. Idéalement, il n'y a pas d'eau en janvier pour que les moissons soient généreuses, mais cela ne m'empêche pas, tout au long de l'hiver, de faire réserve d'eau pour plus tard, au printemps. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Nous sommes coincés dans votre télé. On vous poursuit en replay, mais apparemment, vous adorez ça. Donc, nous repartons ensemble pour un petit bout de chemin. Sommaire. René Mathieu sublime la nature en la faisant entrer dans ses plats, ce qui lui vaut d'avoir été consacré meilleur chef végétal du monde. Des pépiniéristes se sont spécialisés dans la culture de végétaux dits sauvages, issus de territoires proches, afin de les mettre à disposition de tous. Au cœur de la Champagne, la montagne de Reims déploie ses paysages, associant une géologie spécifique, nature et culture. Et sans tarder, retrouvons Stéphane. Il sort du métro ligne 4, il est à Montrouge et doit reconnaître son chemin. C'est bon, il prend la rue principale, se distrait des vitrines qui se préparent pour la fin d'année. Un pâté de maison plus loin, il disparaît dans un immeuble pour réapparaître au premier étage sur un drôle de patio où l'attendent Marine et Julien. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien, bonjour Marine. Bonjour Stéphane. Il est où le jardin? Il est de ce côté. Ah! D'accord. Le voilà. Très bien. Ici. Alors, racontez-moi l'histoire. Tu vois là, on a 4 bacs dans la résidence. Ouais. Donc devant chaque appartement. Donc ça, c'est le vôtre? Oui, ça c'est le nôtre. Donc nous, on a essayé de faire des choses. Ben là, on a 2 azalées. Il y en a un qui a été offert par le père de Marine. Ah, j'imagine que tu y tiens alors. Ah oui, oui, oui. Quand il nous l'a offert, il a fleuri, il était magnifique. Et au bout de quelques mois, ben, il a jauni, il n'y a plus eu de fleurs. Ça fonctionne pas du tout, peut-être parce que le bac est tout mouillé. Il y a une humidité qui est constante toute l'année. Même en été, on n'a pas besoin d'arroser. D'accord, c'est une piscine, quoi, ou une tourbière. Exactement, voilà. D'accord, voilà. Je vois qu'on va essayer de gérer le drainage. Là, les voisins, oui, ont les mêmes types de jardinières. En fait, il ne se passe pas les mêmes choses devant chacun. Oui, exactement. Donc, on n'a pas les mêmes demandes. En face, ils veulent plutôt briser égal à vue. Ouais. Alors que nous, on aimerait plutôt avoir de la couleur, des fleurs et garder de la luminosité dans notre appartement. Ben oui, nous, je vois, c'est important. Un puits, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de lumière, quoi. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lumière. OK, là, je comprends ce qui peut se passer. Là, donc, c'est tout à fait le contraire. Oui. Ici, il y a une densité de végétation qui est assez impressionnante. Oui, par contre, elle s'est fait un petit peu envahir. D'accord. Donc, elle n'a plus trop de luminosité chez elle et c'est peut-être ce qu'elle va vous demander. En fait, l'idée, ce serait peut-être d'éclaircir un tout petit peu ce buisson trop dense. Oui. Et là, je vois que ce voisin-ci... Ben, il a planté un pot, mais rien à le bac. Je vois qu'il a envie de bambou, il a envie d'un rideau transparent, comme ça. Oui. Pour lui aussi se mettre à l'abri des regards. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Nandina domestica, qui peut être une sorte de fil rouge entre toutes ces jardinières. D'accord. Voilà, alors de la couleur, des plantes d'ombre, oui, et quelque chose de cohérent. Exactement. Éclairer l'ombre, enflammer les couleurs, vite, un dessin cohérent. Donc, on va commencer par votre bac, oui, à vous. Donc, on a parlé de belle présence sans que ça vous fasse d'ombre. Ça nous oblige à planter contre le mur. Et dans cette situation-là, moi, je verrais bien un falcia. Des grandes feuilles, vert clair, luisantes. De toute façon, ça se taille. Voilà. En fait, chez vous, ce qui est important, c'est de gérer déjà le drainage. Donc, on va bouger tout ou partie de la terre, voir un peu ce qui se passe en dessous et voir, oui, pourquoi l'eau ne s'évacue pas. D'accord. Une fois qu'on aura réglé ça, on pourra planter de façon plus conventionnelle. Okay. Pas de plante de berge. Ouais. Et ça nous oblige de toute façon à tout bouger, à tout enlever pour le remettre ensuite. Oui. Donc, le camélia, lui, va s'en venir un peu plus près du mur, à côté du fatsia, dans la mesure où il va pousser à présent. C'est pas la peine qu'il occulte la vue, puisque vous ne voulez pas de ça. Oui. Donc, j'ai dit qu'il y avait un fil rouge à tirer avec une plante qui s'appelle Nandina domestica,
Il y en a un qui s'appelle Firepower, qui est vraiment un des couleurs très, très étonnantes. Donc, on va pouvoir en installer dans votre plate-bande. Donc, l'idée n'est pas d'avoir des fleurs qui ne fleuriront pas, mais de jouer avec des arbustes dont le feuillage est très coloré. Ce petit ligustrum, là, qui est vraiment splendide. Ici, je peux avoir un Pittosporum tobiranana. C'est une chose qui ne va pas grandir. Un feuillage luisant, vert foncé, dans ce cas-là, et qui va rester raisonnable et former une sorte de petit dôme, comme ça, sur le sol. Ensuite, on va passer chez la voisine. Là, je crois que c'est complètement l'inverse. On va installer chez elle des choses qui sont beaucoup plus grandes. Je vais installer un fatsia, ce qui fait qu'une plante de chez vous se retrouve juste en face, de façon à ce que des choses circulent d'une jardinière à l'autre. Aussi, tout de même, un lauropétalum avec un feuillage pourpre. On va retrouver encore des Nandina domestica, toujours cette couleur. Ensuite, on va passer chez l'autre voisin, on va planter le bambou qu'il a acheté. Donc, comme nous avons installé un lauropétalum dans le bac précédent, nous allons en installer un ici aussi. Je continue ma promenade avec un grand mahonia. C'est une plante qui se plaît à l'ombre et qui fleurit en hiver, avec des jolies fleurs jaunes, on dirait des soleils. Parfait pour ici. Voilà. C'est une plante que j'installe rarement parce qu'elle pique. Mais là, comme de toute façon, personne ne va se promener sur ces bacs, oui. C'était l'occasion. Pour terminer avec les grandes plantes, il y aura un Pittosporum ici. Et puis, pour terminer, nous mettrons quand même quelques élébores et d'autres plantes à fleurs au pied de tout cela. Est-ce que vous pensez que ce patio va avoir une autre allure? En tout cas, c'est prometteur. Il y a de la couleur. On attend de voir. Non, n'attendons pas. Il y aura un drainage déficient, ausculté, puis remis en ordre de fonctionnement. La mise en place de plantes adaptées à l'ombre, aussi différentes et colorées que possible. Le tout avec un souci de cohérence pour créer une harmonie générale. Des lanternes et le mot de la fin. C'est coloré et gai. Pour notre session création de la semaine, nous sommes avec Nathalie et Ayako. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes floriste dans l'événementiel et moi, j'ai eu la chance, Stéphane, d'avoir une de leurs couronnes en forme d'étoile. Et je voulais donc partager ça avec vous. Nous allons en faire une aujourd'hui. Elle est ici. Mais avant ça, racontez-moi un peu votre rencontre, ce qui a bouleversé votre vie. Alors, nous, c'est 2008, hein. Ouais, c'est ça. 2009. Hein. 2009, on se connaît depuis 2009. Et on a fait plein de choses ensemble. Notamment, on a travaillé pour différents fleuristes ensemble. Et puis en 2016, on a décidé de monter notre propre affaire. Et c'est vraiment nous, on est centré sur l'événementiel. Même on est allé au Japon pour un événement tous les deux ensemble. Ouais, c'était sympa. C'était chouette. Parce qu'on le voit tout de suite. Et puis vous le mettez vraiment en avant. Vous êtes franco-japonaise. Exactement. Vous avez deux cultures et vous aimez bien mettre en avant ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? C'est de montrer qu'il y a un pont entre le Japon et la France? C'est plus qu'en fait, c'est une complicité. C'est-à-dire, on s'est vraiment bien trouvés et nos deux cultures font que ça matche bien. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. C'est vraiment une harmonie d'équipe, voilà. En fait. C'est un bon duo. C'est-à-dire que nos caractères et notre personnalité fonctionnent bien. Et le fait qu'elle soit japonaise aussi apporte... Enfin, même moi, ça m'apporte beaucoup aussi. C'est un autre regard, c'est une autre manière de fonctionner. Et c'est super chouette. Quelque chose de l'ordre de la précision. Oui, c'est vrai. On peut dire que tu es minutieuse, que tu aimes le travail bien fait. Et... Oui, j'aime bien. Oui. Mais elle a un grain de folie qui est super. Oui, parce que... Oui, c'est vrai. Parce que l'art floral au Japon, c'est très présent, Ayako. Oui, c'est vrai. Et en fait, au Japon, il y a un ikebana, il s'appelle ikebana. Mais moi, en fait, moi, je n'ai jamais fait ikebana. Ikebana, c'est on plante une fleur après l'autre dans une petite assiette avec un pic spécifique. Mais en fait, il y a beaucoup de contraintes, donc en fait, ce n'est pas mon truc. Comme en fait, les fleurs européennes, en fait, c'est vraiment... Moi, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, il y a plus de liberté. Donc, on va avoir un peu de fantaisie aujourd'hui. On va faire une belle étoile. Alors, expliquez-nous, elle est ici. Ça, c'est un premier exemple. Stéphane, comme il aime aussi, lui aussi, beaucoup la liberté, on ne va pas t'imposer une figure. On va pouvoir créer tous ensemble autre chose. Mais la base, c'est ça. On prend du saule. Exactement, c'est du saule tortueux, en fait. On a voulu faire quelque chose de très naturel, sauvage, à l'esprit de Silence ça pousse, en fait. Montrer aux gens qu'avec des choses qu'on trouve dans la nature, c'est très simple. On peut faire dans les jardins. Ouais, dans les jardins, c'est très simple. Ou alors, quand...
aux alentours d'une balade dans les bois, on peut ramasser, glaner des choses et on peut chez soi faire une étoile, notamment de, ouais, décorative. Donc il nous faut du saule, du fil, j'imagine. Voilà. Armé, j'imagine aussi. C'est, ça. C'est bon, c'est ça. Bingo. Et bien entendu, des plantes. Des branchages divers, en fait. Et après, on choisit ce qui nous fait plaisir et puis on peut créer notre étoile. Qu'est-ce qui va faire plaisir à Stéphane Marie ? Et voilà. Telle est la question. En fait, j'imaginais que c'était un lien qui courait tout le long de la branche, c'est pas du tout. Non, en fait, on met petit bout par petit bout, c'est plus pratique en fait. C'est moins compliqué parce qu'il y a plein d'éléments qui vont bloquer le fil sinon. Donc là, on met petit bout par petit bout. On arrive au bout, Stéphane. Ça y est. Stéphane, ça te plaît ? Oui, je trouve ça simple et élégant. C'est vrai. Et vous adorez les couronnes, donc maintenant que vous êtes rodé pour l'étoile, vous pouvez vous lancer chez vous. D'autres modèles derrière nous. Il y a celle-ci, la couronne fleur séchée. Exactement, ouais. Avec un cercle en acier. Et il y a aussi la couronne plus traditionnelle, on va dire. Alors elle, elle est montée, je vais vous montrer, sur un montant en bois en que bois. Vous pourrez utiliser chaque année, en fait. Tout à fait, voilà. Hop, donc ça, c'est facile. Ça, ça peut aller à l'extérieur. Voilà, exactement. Et alors, quelles sont les fleurs que vous adorez travailler ? Nous, c'est plus les fleurs des champs. Donc, ce sera très nature, très spontané, voilà. Très bucolique. On aime bien un bouquet champêtre, ouais. Très naturel. On aime bien. Donc, un bon moment comme on vient de passer ensemble. Tout merci beaucoup. Eh ben, merci à deux. Vous. C'était un plaisir. C'était très chouette. Pour le portrait de la semaine, avec notre partenaire, l'Ami des Jardins, nous vous proposons de découvrir un chef de la gastronomie végétale. René Mathieu se dévoile dans son restaurant et dans la forêt qu'il affectionne tant, au Luxembourg, là où il s'est installé. La forêt, c'est mon univers. C'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. La forêt, elle m'a suivi toute ma vie. Je me suis dans la cuisine, elle me suit partout, en fait. C'est une source d'inspiration incroyable. Les pierres, la particularité, c'est que ça a vraiment le goût et l'odeur du champignon de Paris. Cette forêt, c'est mon garde-manger. C'est juste magique. On a tout ce qu'il faut pour se nourrir et bien souvent, on va chercher des choses très très loin. Si on prend le bouleau, on peut utiliser au printemps l'eau du bouleau, on peut utiliser ces petites feuilles et nous, on utilise l'écorce. C'est notre cannelle à nous, quoi. J'ai pas dit qu'elle avait un goût de cannelle, mais elle amène quelque chose, une acidité dans une sauce, dans un plat. Et avec un légume, ça se marie super bien. Pouvoir travailler les légumes avec toutes ces plantes sauvages qui nous entourent, c'est juste magique. On a un environnement extraordinaire. C'est de la benotte urbaine. Ça a une odeur de clou de girofle. On a également la lierre. La lierre, c'est vraiment la racine. C'est comme du wasabi. En fait, c'est notre wasabi à nous. Et puis là, vous allez avoir la spirule odorante aussi, qui la fleur a un goût de vanille. Et la plante, elle a vraiment un goût de fève tonka. Donc on a vraiment tous les parfums qu'on peut trouver sont ici. Après, il y a des plantes qui ne sont pas intéressantes au niveau gustatif, mais elles ont quand même des propriétés. Et elles sont toutes là pour nous faire du bien. Je viens chercher des éléments nutritifs dans la forêt qu'on n'a pas nécessairement dans le jardin. Les valeurs des légumes ont diminué à cause des productions intensives, etc. Mais dans la forêt, la plante, elle a une force beaucoup plus intéressante. Par exemple, la consou, on peut la cultiver dans les jardins, mais elle n'aura jamais la même valeur que si on la prend sauvage. J'avais un grand-père qui était garde forestier et qui se soignait avec les plantes. Ma grand-mère aussi se soignait avec les plantes. Il se nourrissait avec les plantes. Donc c'était son quotidien. C'était sa maison, la forêt. Toute mon enfance s'est passée avec lui. Il expliquait les plantes, pourquoi c'était bon pour la santé. Et c'est vrai qu'il m'a inculqué ça depuis que j'étais enfant. Mais à un moment donné, j'ai oublié ça. Déclic, je l'avais eu quand j'ai eu la cinquantaine. J'ai changé complètement mon approche en me disant qu'est-ce que aujourd'hui je voudrais faire. Et là, c'est les souvenirs de l'enfance qui sont revenus.
Donc je me suis dit, voilà, peut-être la clé du secret, c'est peut-être retourner vers le passé pour revenir encore plus fort vers l'avant. Et ce passé, c'est le végétal. Ok, ça c'est trié. On est dans une région ici où on mange beaucoup de viande. Donc le pari était vraiment très risqué. Mais on a amené ça très doucement. Il a fallu à moins 10 ans pour pouvoir arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Il y a 10 ans qu'on a un menu végétal. Il y avait 2 menus, en fait. Et de plus en plus qu'on a avancé, et de plus en plus, le menu végétal prenait de l'ampleur. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, juste après le premier confinement, maintenant, c'est le moment de passer à 100% végétal. Donc on est passé à 100% végétal et c'était le succès immédiat. De plus, après cette décision, on nous a consacré le meilleur restaurant végétal du monde. Le légume, en fait, on l'a complètement bafoué pendant des centaines d'années. Parce que ça a toujours été une garniture, ça a toujours été un accompagnement. Il faut maintenant travailler un légume comme une viande. Si on rôtit un légume comme une viande, en fait, le cerveau il va juste capter la caramélisation, la concentration des saveurs. Et c'est là qu'on oublie la viande, mais complètement. On fait des plats signature avec le navet, on découpe le navet devant le client, ils ont l'impression d'avoir un filet de bœuf en croûte, quoi. Moi, je ne suis pas végétarien. Je mange de la viande, très peu, certes, mais je mange de la viande, je ne me refuse rien du tout. Ce n'était pas le but de faire passer une conviction personnelle, pas du tout. C'est de dire, on cuisine aujourd'hui le végétal, le légume, pour ce qu'il est. Pour moi, c'est une cuisine à part entière, la cuisine végétale. Ce n'est pas une cuisine de substitution ou quoi que ce soit. Ce sera certainement une cuisine du futur. Mais si c'est bien fait, et pour être bien fait, il faut manger local. Ça, c'est une des choses la plus importante pour moi. On est peut-être à 85-90% de produits locaux. C'est un engagement. C'est un engagement pour nous, c'est un engagement pour le client, c'est un engagement pour la planète, c'est un engagement pour les producteurs. Il faut comprendre aussi cette démarche, c'est une démarche de partage. Nourrir, ce n'est pas une abondance. Hein. Se nourrir, c'est d'abord déjà se faire du bien à soi et se faire du bien à son corps. C'est se nourrir aussi l'esprit. Et c'est ça qui est important. Il y a une histoire dans la cuisine, il faut écrire une autre histoire. Du jour, Stéphane nous donne rendez-vous dans ce coin pour planter un fatsia. Là, c'est 2020 et là, c'est 2021. La différence, c'est que là, c'est un fatsia green finger, les doigts verts, qui est originaire de Taïwan et qu'ici, nous avons un chez Flera. Ah, c'est pas un fatsia. C'est pas un fatsia. Pardon. Qui s'appelle Taïwaniana et qui, lui aussi, est originaire de Taïwan. Ouais, j'avais presque juste alors. T'avais presque juste, mais je trouve que l'impression visuelle entre ces deux plantes est tout à fait harmonieuse. Ouais, c'est donc vrai que ça c'était pas tout à fait à côté de la plaque. Et puis, tu t'avais deviné que c'était tous les deux de Taïwan, n'est-ce pas? Exactement, bien ouais, sûr. Bon, enfin, voilà, j'adore ces plantes. J'adore les chifléras, nous les connaissons dans nos appartements. C'est une des plantes les plus communes pour verdir et faire jungle dans l'appartement. Sauf qu'il y a des variétés qui sont plus rustiques et que nous pouvons planter à l'extérieur, dans des climats relativement doux. Et moi, ça me va. Je les préfère dehors plutôt que dedans. Donc, ce Taïwaniana est rustique jusqu'à moins 10 degrés. Il pousse dans les hauteurs de Taïwan, en altitude. Taïwan, c'est au nord, tu sais, ouais. Donc c'est un climat qui est beaucoup moins tempéré que nous pouvons l'imaginer. Et donc l'idée, c'est de l'installer au bon endroit, parce qu'il n'aime pas les courants d'air, il n'aime pas les vents froids et secs qui vont dessécher ses feuilles, et il n'aime pas non plus les rayons directs du soleil. C'est pourquoi nous sommes à nouveau sous ce bel arbre penché qui lui prodigue une ombre légère qui va lui correspondre complètement. Tu l'as bassiné? Je l'ai bassiné pendant une dizaine de minutes, de manière à ce que la motte soit gorgée d'eau. Et nous allons, à présent que j'ai fait une fosse de 60 cm, en tous sens, pouvoir ajouter de l'humus, ouais, par le biais de compost, de seau, s'il te plaît, une grosse pelletée de fumure déshydratée, et puis une grosse poignée de cornes broyées. Mais oui, tu sais bien, et j'aime bien ça. Et on mélange tout ça, et on y va. Et parce qu'il aime les sols meubles. D'accord. Donc là, tu vois, cette terre, elle est... Elle me va bien, tu vois, les meubles. Allez, jette-moi tout ça là-dedans.
Des potes ? S'il te plaît. Voilà, c'est bien. En plus, la présence de cette plante va être assez intéressante dans la mesure où ce Schifflera taïwaniana peut mesurer entre 3 et 4 mètres de hauteur. D'accord, bon, il a la place. Ah oui, il a la place, mais tu vois, la bestiole, c'est joli. Et ça s'étoffe aussi en largeur ? Oui, en fait, c'est assez comme une ombrelle, tu vois, ça pousse en hauteur et puis tu as une espèce de parapluie de feuilles sur un tronc dégagé. D'accord. Voilà. On va l'arroser, on va mettre du BRF à son pied et surtout, surtout, il va falloir surveiller ici les chevreuils et les lapins qui, me semble-t-il, adorent ces feuilles et les limaces. D'accord. Qui grimpent le long de son petit tronc pour aller grignoter les feuilles. Elles ne sont pas autorisées. Non. Cette plante n'est absolument pas locale, Stéphane. Ben non, pas encore. Ouais. Parce que là, ça me fait pas ma transition vers le sujet qui suit. Eh ben tant pis. Oui, parce que les plantes locales séduisent de plus en plus. Une filière se construit, les producteurs s'organisent, un label a été créé. Et vous aussi, si vous avez envie d'avoir des plantes locales, sachez que l'on en trouve maintenant en jardinerie. Regardez. C'est à la source qu'un producteur de plantes locales doit aller chercher ses semences. C'est ce qu'est en train de faire Philippe Schrotter dans cette prairie naturelle du Mont Pila. Là, c'est l'arméry des sables. C'est une plante qui fleurit 2-3 fois par an et donc qui fait des jolies petites touffes roses. Elle a un intérêt pour la biodiversité, elle a besoin de très peu d'eau. Donc ça, c'est une fleur intéressante pour les massifs. La plante locale, c'est la plante sauvage, mais la plante sauvage qui pousse chez nous depuis très très longtemps, qui n'a pas été importée, qui n'a pas été naturalisée, parce que cette caractéristique sauvage, c'est aussi cette résilience qu'elles ont, cette force en elles, avec un changement climatique qu'on ne sait pas encore où on va. Ces plantes-là ont plus de réponses en elles, parce que justement, ce brassage génétique n'a pas été réduit par une sélection horticole. Et il y a certains insectes qui sont vraiment spécialisés pour une plante sauvage. Donc si elle disparaît, l'insecte disparaîtra aussi. Et donc elles ont un rôle important. Depuis 5 ans, cet Allemand cultive et multiplie les plantes sauvages du Mont Pila et de ses alentours. C'est devenu la spécialité de sa pépinière. Moi, je suis architecte paysagiste à la base. Et donc j'ai commencé la plante locale parce que je n'en trouvais pas du tout en France. Dans d'autres pays, l'Allemagne, la Suisse, ça fait déjà 20-30 ans qu'il y a une filière qui est en place. En France, ça fait maintenant 5-6 ans, c'est le début. Mais en France, ça démarre vite parce que les problématiques actuelles qu'on rencontre sont pressantes. Donc on est en train d'agrandir un peu les surfaces, d'augmenter la production, de diversifier aussi. Pareil, pour pouvoir répondre à cette demande croissante. Des espèces complémentaires là ? Oui. Pour accompagner cet essor, un label baptisé Végétal Local a été créé en 2015. Piloté par l'Office français de la biodiversité, cette marque garantit aux usagers la traçabilité des végétaux. Depuis les années 2000, ces demandes ont commencé à émerger, à se structurer. Et finalement, les producteurs ont répondu à ces demandes, mais n'avaient pas de cadre pour valoriser leur travail. Et cette marque Végétal Local, elle permet de donner un cadre technique et scientifique aussi à la production de végétaux sauvages et locaux. Local, ça peut vouloir dire plein de choses. On a associé en fait des techniciens, des scientifiques, des producteurs. Et tout le monde s'est mis autour de la table. On était près de 150 en fait pour définir qu'est-ce que c'est qu'un végétal qui est sauvage et local. Ben, on a dessiné en fait une carte des régions, biorégions pour la France. Et il y en a 11 en France qui sont sortis de ce travail. Par exemple, il y a la zone méditerranéenne, les Alpes, les Pyrénées, qui sont des biorégions et à l'intérieur desquelles les végétaux se sont développés et ont développé une génétique particulière. Une plante, une menthe par exemple, peut être végétale locale de la zone méditerranéenne. Ça garantit qu'elle a été collectée dans la zone méditerranéenne, produite en Méditerranée, et que son objectif est d'être utilisée pour la zone méditerranéenne. La première année, on avait une quinzaine de producteurs qui sont rentrés dans la marque, et aujourd'hui, on en est à 60. Et ça ne fait qu'augmenter. Il y a un intérêt, un engouement croissant vraiment pour cette marque et pour apporter une traçabilité forte avec un engagement sur le sauvage et la conservation de la biodiversité. Actuellement, les collectivités sont les plus importants utilisateurs de végétaux locaux pour le fleurissement des espaces publics, sans produits phytosanitaires et avec peu d'entretien. Les agriculteurs s'intéressent aussi à ce type de démarche.
Sur les domaines viticoles conduits en agriculture biologique, l'enherbement des vignes est devenu une pratique courante. Les adventices, qui sont gourmandes en eau et nuisent au développement de la vigne, sont remplacées par des plantes sauvages. Qui dit bio dit suppression des herbicides, forcément. Donc la seule façon qu'on pensait pour supprimer les herbicides, c'était justement de gratter les sols. Donc on s'est mis à griffer, à essayer de treuiller. Et puis un beau jour au mois de juillet, les sols ils sont passés sur la route du village. Donc on s'est dit, tiens, et c'est là qu'on a commencé à réfléchir. On a dit, non, mais il faut qu'on trouve autre chose, il faut qu'on stabilise les sols. Qu'est-ce qui peut nous aider à stabiliser les sols? Les couverts végétaux. C'est tout local, là. C'est tout du sédum qui a été récolté sur Malval. Ah ouais. Nous, au départ, on a fait plusieurs essais avec des semis qu'on a trouvés dans le commerce. Ces essais ont fini par échouer parce que de toute façon, on n'avait jamais de reprise de ces enherbements en situation réelle. C'est pour ça qu'on a migré de plus en plus vers la sélection d'espèces endémiques de notre région. Là, on est plutôt sur la phase post-essai maintenant. C'est-à-dire qu'on a trouvé la solution qui nous paraît la plus adaptée et on vient de la mettre en œuvre, notamment avec cette plante locale qui est le sédum, puisque c'est celle qui correspond le plus à ce qu'on recherche. Le sédum, c'est une plante grasse qui va résister à la sécheresse et qui n'aura pas besoin de beaucoup d'eau pour vivre. Donc c'est une espèce qui ne va pas pomper de l'eau au détriment de la vigne. Et ça, c'est intéressant. La reprise va être bien meilleure sur ces plantes-là, évidemment. On va avoir une couverture du sol qui sera meilleure aussi que si on a amené une génétique extérieure. Et ça commence à fonctionner. On commence à avoir des belles couvertures qui se mettent en place, qui sont prometteuses. Là, c'est plutôt chouette. Il nous faudra une bonne décennie pour avoir une vraie vision de ce qui a réellement fonctionné, des écueils, de ce qu'on peut encore améliorer. C'est également avec du végétal local que ces vignerons se sont lancés dans la vitiforesterie, le nom de l'agroforesterie dans les vignes. Des essences endémiques d'arbres champêtres ont été réintroduites au cœur du vignoble. Le végétal local, c'est naissant, mais ça a probablement de l'avenir parce qu'on remet la vigne au centre de son écosystème naturel, finalement. Et ça paraît essentiel, justement, pour sécuriser l'avenir. Il y a une activité au jardin que j'aime beaucoup, c'est la taille. Je suis contente, on a du pain sur la planche. Ça tombe bien, effectivement. Tu vois, nous sommes devant un Cornus officinalis. C'est un arbre qui produit des petits fruits au mois de septembre. Quelle couleur, les fruits? Des fruits rouges, avec un gros noyau dedans, mais qui sont un peu acides, comme ça. Mais plein d'antioxydants. Trop bien. C'est pas si mal. Quand c'est bien mûr, c'est bon. Et vois-tu, ça fait 2 années que, franchement, je trouve qu'il ne fait pas grand-chose. Et je pense qu'en fait, il a besoin d'une taille, pas trop sévère, mais une taille de remise en forme, de façon à ce que la lumière pénètre plus dans la ramure de l'arbre. Et puis, j'ai le sentiment tout de même qu'il a tendance à s'étaler un peu trop. Et il rentre en concurrence avec le Psychoparossia Purple Haze, qui est juste à côté, et dont j'aime bien distinguer la forme en gobelet. Donc nous allons procéder en plusieurs étapes. D'abord, nous allons couper les branches mortes, s'il y en a. Je n'en vois pas. Pas trop. Ouais. Ensuite, supprimer les branches qui se touchent. Tu vois là, ici, j'en ai 2. Et ah ça, oui, ça frotte. Tu vois, ça frotte et ouais. Ça finit par être dommageable à la branche. L'écorce s'abîme, les maladies peuvent pénétrer à l'intérieur du bois. Laquelle t'enlève alors? Ben, je vais enlever celle-ci. Et ça nous amène à la suite, parce que celle-ci, elle vient comme ça à l'extérieur, et je veux limiter justement son envergure. Ok. Et puis, pour faire entrer de l'air et de la lumière à l'intérieur de la ramure, pour que les fruits puissent mûrir, enfin, tu vois, et que c'est toujours bien que l'air circule dans la ramure d'un arbre, parce que ça limite les maladies et les parasites. Je vais couper quelques-unes de ces branches à l'intérieur. Allez, là, Stéphane, on voit les bourgeons, on peut quand même couper. Oui, ils sont encore en dormance. Là, nous sommes vraiment au milieu de l'hiver. Il ne faudrait pas attendre plus pour intervenir sur cet arbre qui est le cornouiller officinal, donc, ou Cornus officinalis. Allez, go. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, Carole, je reprends les choses. Nous avons coupé quasiment tout le temps à la base des branches, de manière à ce que s'il y a des rejets, ils partent du bas, du sol, pour que la ramure ait l'air plus naturel. Parce qu'imagine, si j'avais coupé là, il va y avoir 4 départs ou 5 départs de branches et ça va faire comme un balai.
Et ça, j'aime pas, c'est pas beau. Ensuite, pour donner un petit peu de consolation et de vigueur à notre arbre, nous allons répandre du calcaire magnésien. Donc le calcaire, c'est pour remonter le pH qui est ici un peu acide, le sol est un peu acide. Et aussi le magnésium va aider la photosynthèse. Voilà, et moi je vais incorporer tout ça avec le croc. Très bien, et nous, nous prenons de la hauteur, nous allons découvrir le paysage de la semaine. Nous allons sur la montagne de Reims, une curiosité étonnante, regardez. Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, lire ce qu'ils disent du présent et nous racontent de leur passé? Au milieu du vignoble champenois, la montagne de Reims est une île de nature dans un cadre savamment ordonné. Amélie, nous y voilà. Tout est dans le cadre. Donc je vois une plaine. Et puis peu à peu, le paysage s'élève et juste en dessous de nous, il y a un village. Et puis derrière nous, une forêt. Alors, en fait, déjà, on est sur la montagne de Reims. Cette montagne de Reims et tout ce paysage qui est devant nous, pour réussir à bien le comprendre, il faut déjà repartir il y a plusieurs millions d'années. Donc entre 145 et 65 millions d'années, toute cette vallée et tout ce qui est devant nous était recouvert par la mer. Et il y avait une vase qui était dans tout le fond de la mer et c'était une vase calcaire. Et ce calcaire, c'était les craies. Les craies qui sont idéales pour faire pousser la vie. Et peu à peu, la mer a disparu. Voilà, il y a différents types de sédiments qui sont venus se poser. À une époque, il y a les sables qui sont arrivés. Ça, c'était à peu près il y a 145 millions d'années. Et après, il y a également des couches d'argile qui se sont posées sur la montagne de Reims. Donc en fait, on se retrouve avec... C'est un drôle de feuilletage, voilà, hein. C'est un feuilletage, c'est des strates, les unes au-dessus des autres, qui permettent d'avoir des cultures différentes, qui permettent d'avoir donc des paysages différents. Ensuite, on va revenir à peu près il y a 5 millions d'années. Il y a le soulèvement des Alpes. Donc les plaques tectoniques se touchent et donc le soulèvement des Alpes se fait et repousse le massif central, les Vosges, et arrive jusqu'ici pour pousser ce qu'on appelle la cuesta. Toute cette partie en hauteur s'appelle une cuesta, c'est-à-dire une côte. Et sur le haut de la montagne de Reims, on a les forêts. En fait, quand on arrive de loin, c'est tout plat et d'un seul coup, on voit cette montagne de Reims qui arrive. Alors bien sûr, c'est une montagne et voilà, on est à maximum 286 mètres d'altitude à Verzy, juste à côté. Mais c'est vrai qu'après ces immenses étendues toutes plates, d'un seul coup, quand on voit cette montagne de Reims, c'est un poumon vert. En fait, on remonte dans l'histoire du parc. L'histoire du parc, c'est en 1976, trois communes ont souhaité protéger ce massif forestier qui était entre Reims, Épernay et Châlons pour pouvoir garder sa spécificité. On va dans les vignes ? On va dans les vignes, allez. Fascinant, tous ces parallèles comme ça qui se contrarient parfois. On peut imaginer que ce paysage n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui. En fait, avant, il y avait également des vergers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale, toute la vallée a été complètement bombardée. Après la Première Guerre mondiale, en 1927, il y a eu le classement de l'RAOC qui a défini exactement sur quelle parcelle il y allait avoir de la vigne. Et donc, les vergers, les pommiers, les poiriers, les cerisiers sont partis au profit de la vigne. Je suppose que ces lignes ne sont pas implantées dans des directions au hasard. Alors les vignes, elles sont toutes plantées dans le sens de la pente. C'est comme des petites rivières. Là. Mais le travail qui est fait actuellement, c'est que ces vignes soient de plus en plus enherbées, parce que c'est peut-être des petites rivières, mais il faut aussi que l'eau rentre en fait dans la parcelle. Et donc si on veut qu'elle rentre dans la parcelle, il faut mettre cette végétation et les racines qui permettent d'ancrer. Et parce qu'on a un gros problème aussi sur la montagne de Reims, qui est un problème lié au glissement de terrain. Et donc pour éviter d'avoir tous ces problèmes de glissement de terrain, ce qu'il faut, c'est avoir des vignes enherbées, réussir à avoir des arbres aussi avec des talus, des arbres de façon isolée qu'on peut retrouver sur les coteaux. L'eau reste à la parcelle, reste au pied des vignes et ne va pas s'écouler trop rapidement vers les villages qu'on peut voir ici et vers la vallée. Et justement, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO a permis de mettre en avant tout ce dont vous venez de me parler. Exactement. Alors en fait, les coteaux, maisons et caves de Champagne ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 4 juillet 2015. Depuis cette date très précise, il y a un véritable travail qui est fait pour valoriser tout ça. Le parc naturel régional de la montagne de Reims entretient et peut-être même conforte ce devant quoi nous sommes, la lisière. La lisière forestière, effectivement.
C'est un endroit assez méconnu. En fait, on se retrouve à l'interface entre un milieu ouvert, donc ici les vignes, et le milieu forestier fermé. Donc c'est vraiment un espace important parce que sur tout le territoire, ça fait plus de 300 km de linéaire qui forment comme une couronne autour du massif forestier de 20 000 hectares. Et c'est un corridor de biodiversité ? Tout à fait. En fait, ces différentes strates de végétation vont permettre de faire des refuges et d'apporter le gîte et le couvert à de nombreuses espèces. Et en même temps aussi d'accueillir des auxiliaires qui luttent contre les ravageurs des cultures, donc notamment des vignes. Et bien en plus, le fait d'avoir une lisière plus étagée, ça limite aussi l'ombrage sur les vignes. Et par rapport au vent ? Ça a également un impact. Le vent va glisser sur la lisière et passer au-dessus de la forêt. Alors que quand il n'y a pas de lisière étagée et qu'on a les arbres tout de suite avec les troncs, le vent va taper dans la forêt et il y a des risques plus importants de chablis lors de tempêtes. Derrière cette lisière, on va retrouver le massif forestier de 20 000 hectares qui est sur une formation géologique particulière de l'argile lamellière. Donc ce qui fait que c'est un plateau humide, c'est comme une éponge, ça va capter les eaux de pluie quand il y a de gros orages, et dans les périodes de sécheresse, ça va les rediffuser dans le milieu, donc c'est vraiment important, ça va limiter les inondations, et en plus ça va filtrer les eaux avant qu'elles arrivent dans la nappe phréatique et dans la rivière. En fait, initialement, le rôle du parc était essentiellement de préserver la forêt. C'est plus compliqué que ça, c'est plus riche que ça. En fait, donc, c'était la préservation et la valorisation de la forêt et du contour en fait, de cette forêt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces villages, ils sont enserrés par la vigne. Donc dans tous les cas, ils ne vont pas évoluer, ils ne vont pas grossir de ce côté-là. Par contre, il y a une grande réflexion sur certaines maisons qui peuvent se mettre dans la lisière forestière ou dans la forêt. Et donc là, le rôle du parc, c'est vraiment d'accompagner les communes pour préserver la lisière, pour que la forêt continue, par exemple, dans le jardin des gens, et permettre d'avoir une limite qui se fait de façon beaucoup plus douce. Parce qu'il y a une pression urbaine. La montagne de Reims est à 45 minutes de Paris. Avec le train qui va vite. Avec le TGV qui va très très vite, on est à 45 minutes de Paris. Donc les gens viennent s'installer ici, se sentent bien, mais s'ils sont venus ici, c'est parce qu'ils trouvaient ça beau. Donc il faut qu'on continue à préserver et aussi à valoriser cet ensemble de paysages exceptionnels. Un triptyque à maintenir en équilibre. Tout à fait, Stéphane. Pour sa complexité et sa préciosité, la montagne de Reims, protégée aujourd'hui par le statut de parc régional naturel, a acquis une renommée internationale. La main de l'homme écrit et va ayant écrit. Les paysages sont fragiles. Questionner leur histoire permet de mieux les appréhender, de les comprendre et surtout de les respecter. Temps de découvrir la plante de la semaine. Vous la connaissez sûrement puisque l'on parle beaucoup du fruit, le yuzu. Absolument, c'est un agrume. C'est le Citrus junos de la famille des Rutacées. Son petit nom, c'est yuzu. C'est une création horticole originaire du Japon. On a mélangé Citrus deliciosa, qui est la mandarine sauvage, avec Citrus inchangis, qui est un arbuste très rustique. Donc nous sommes devant un arbuste au feuillage persistant qui fleurit au mois de mai. Les fruits vont se développer et sont récoltés en novembre-décembre. Il va aimer les sols acides à neutres, une exposition plein soleil à l'abri des vents froids. Il aime beaucoup le soleil. Bah oui, et puis il aime bien aussi être arrosé. Il est rustique à moins 10 degrés. Et moi, ce que j'aime, c'est d'avoir cette espèce de buisson persistant. Il est un peu piquant, il ne faut pas y mettre trop les mains. Et si tu veux bien en récolter un, tu vas pouvoir le frotter pour sentir son zeste. Lorsqu'il est vert, on utilise le zeste. Lorsqu'il est jaune... C'est un peu acide-amer, je trouve, moi, le yuzu. Bah, ce n'est pas quelque chose qui se mange comme ça. C'est quelque chose qui vient parfumer les plats. Et lorsqu'il est jaune, on peut aussi utiliser sa pulpe. On reconnaît tout de suite. C'est vraiment cette odeur particulière. Mais je préfère le citron, tu vois. Oui, mais c'est parce que t'es de Nice. Je suis trop française. Le Citrus junos. Très bien, il est temps de retrouver notre pas de panique collectif. Nous avons 4 jardinières à réaménager dans une coursive d'immeubles. Nous retrouvons Julien et ses voisins. Stéphane a rejoint Julien et Marine sur un patio suspendu qu'ils partagent avec leurs voisins. Un bac devant les fenêtres de chacun attend une réponse différente. Le dessin propose de la diversité en créant un effet d'ensemble. Est-ce que vous pensez que ce patio va avoir une autre allure ? En tout cas, c'est prometteur. On attend de voir. Non, n'attendons pas.
Donc nous allons commencer par s'occuper de l'humidité stagnante de votre bac. Donc on va commencer par enlever toutes les plantes qui sont dans ce bac, les mettre en réserve sur une bâche, pour ensuite les replanter plus tard lorsque nous aurons pris cette terre. Je pense qu'on va prendre celle qui est là, près de l'évacuation, qui est ici. Mm-hmm. La mener au fond du bac, voir ce qu'il en est, s'il est nécessaire, sous le géotextile qui est présent ici, de rajouter des graviers, de façon à ce que l'eau puisse descendre avant de partir dans cette chose. Je pense que c'est bouché ici. Okay. Voilà, c'est déjà un gros travail. Ouais, c'est bien ça. Stéphane saute dans le bac et déterre avec précaution les chères azalées de Marine, puis le camélia qui seront replantés plus tard. Toujours à la bêche, il commence à examiner le sol. En effet, c'est une véritable tourbière. La terre est enlevée, déposée à l'arrière du bac. Puis il soulève la bâche géotextile, empêchant le terreau de s'infiltrer dans le drainage, composé ici de plaques de polystyrène très légères, très efficaces. On va tester, voir si la sortie de l'eau ici est valide et si ça va bien dans le pluvial. Oui. Et elle ne stagne pas. Hein. Ça fonctionne. On l'entend. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est bien. Donc pour moi, l'histoire, c'est ça. Okay. C'est une espèce de géotextile que j'ai jamais vu, qui est contrecollé sur un plastique. Il y a de l'air qui passe. Micro-perforé. Sauf qu'avec le temps, l'humus, ça s'est bouché. Donc en fait, cette bâche est devenue étanche. Okay. Ce qui fait qu'il faut retirer la terre comme j'avais prévu de le faire et que nous mettions un géotextile tout neuf, sans matière plastique. D'accord, okay. Très bien. Le voile neuf qui a déjà fait ses preuves est déroulé. Il est plaqué au fond et sur les côtés, puis découpé. La terre peut retrouver sa place. À présent, elle va pouvoir ressuyer. Arrive un fatia contre le mur, le camélia et des plantes basses, afin que la lumière puisse entrer dans l'appartement. Passons chez Marie, la voisine d'en face. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. J'arrive avec les plantes. Super, je vous attendais. Bon, Marie, je crois qu'il faut que je passe par la fenêtre. Bon, moi je vais d'abord passer la plante et je vais la suivre. Voilà, comme ça. Hop. Attention à ta tête. Hop. Tu peux, Marie, s'il te plaît, aller chercher le machin avec des grandes feuilles, ça s'appelle un fatia. Voilà, Stéphane. Ouais, formidable. Ça, ça va venir au premier plan, ici. Ici, c'est bien. Voilà, et puis j'ai besoin du ligustrum. Voilà, super. Hop là. Oups, j'ai l'impression d'être un hamster. Bon, allez, hop, donc ça. Oh, attention, ça pique. Merci. L'Europe est à l'homme, formidable. Ici. Pittosporum. Hop, merci. Oula. Retournons chez Marine et Julien. Le fatia est rejoint par un Andina Firepower, les azalées sont de retour, un Pittosporum Tobiranana et une hélébore rose. Cheval de course, course à pied, c'est toute l'histoire de cet endroit. C'est-à-dire que là, une chose rebondit dans une autre, et puis cette autre-là va aller rebondir dans la troisième. Ce qui fait que ces quatre bacs, qui pourraient être complètement disparates les uns des autres, seront différents chacun, mais avec des points communs qui les lient tous ensemble. Et j'aime bien cette idée-là. Donc le fatia, il est ici, et poum, il rebondit ici. Le loropétalum, il est ici, et poum, il rebondit dans le bac d'à côté. Les nandinas sont partout, chez tout le monde, et en même temps, ça nous permet d'introduire des plantes complètement différentes dans chacun des bacs. Donc chacun son affaire, et en même temps, une esthétique commune. Effectivement, Stéphane, ça va créer une belle harmonie. Merci. Et poum, plantons pour de bon en premier un fatia. Okay. Suivent une fougère très légère, un Andina Firepower bien nommé, un ligustrum au feuillage doré et retaillé en boule, un loropétalum conduit en colonne pour Marie qui veut conserver son intimité. Les fenêtres d'Anita ne reçoivent plus de lumière. Un cornus, qui a dépassé les bornes, est arraché. On est bien d'accord, Anita, hein, il disparaît celui-là. Sans regret. Ah, super. Eh ben voilà, il est sorti.
Bravo. Ça a fait un peu plus de lumière. Hein. Ouais. Le laurier rose est éclairci. Un tiers des tiges sont coupées à sa base. Un Andina Firepower est planté sous la protection de son congénère Domestica. Voilà, ce qui est magique avec les Nandina Domestica, c'est que dans les situations les plus à l'ombre, ils sont capables de faire des fleurs, ils sont capables de faire des fruits. Là, ce sont les fruits, bien sûr, mais ce ne sont pas les seuls. Le Mahonia qui est juste en face, Mahonia X Charity, c'est une plante qui, à l'ombre, va faire des fleurs jaunes, très belles, suivies de petits fruits noirs, prunés. C'est ravissant. Et donc, l'idée ici, c'était tout de même d'arriver avec des lauropétalums qui se plaisent dans des situations à l'ombre, qui sont capables de fleurir, avec un feuillage pourpre, et puis des plantes qui sont capables d'éclairer cet endroit à l'ombre sans pour autant souffrir. Encore des hélébores, un paillis de plaquettes d'aulne était allé au pied des plantes en couches épaisses. Une lanterne sur chacun des bacs, rideau. C'est fini! Alors, est-ce que tout ça vous semble cohérent? Ah ben oui, ça fait vraiment une belle harmonie et ça va permettre de se retrouver là dans la copropriété. C'est vraiment très beau. Oui, très beau. C'est coloré et gai, sympa. Oui. Voilà, je pense qu'en fait, là où il était question d'être derrière une transparence et derrière un voile de feuillage, les choses ont fonctionné. Et vous qui vouliez de la couleur... De lumière, avec beaucoup de couleurs, très beau. Je pense que le fascia va grandir encore un peu, ce sera très beau. Oui. C'est magnifique, merci Stéphane. J'aime beaucoup cette continuité entre les deux jardinières. Ça, c'est gentil. Et puis, je pense que tu te sentiras un petit peu plus chez toi. Oui. D'autant plus qu'il y a des choses qui vont encore grandir. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Et pourquoi cette cour ne finirait pas par ressembler à une sorte de petite jungle que vous allez... seriez notre Tarzan. Ah, c'est excellent. Bon, écoutez, je vous souhaite bien du plaisir, bien du bonheur tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Les quatre bacs ont repris conversation. Tous différents, ils répondent à l'attente des uns et des autres. Laisser entrer la lumière pour Marine et Julien ou la retrouver pour Anita. Dissimuler le vis-à-vis pour Marie ou profiter d'une micro-forêt pour le dernier. Chacune des histoires se rejoignent grâce à des plantes témoins qui vont d'un massif à l'autre et passent le relais. La couleur a pris le pouvoir pour la joie de tous. Qui a dit que l'ombre était forcément triste? Et Tarzan va saisir sa liane et il arrivera jusqu'à chez vous. Il suffit... Oh il suffit de retenir une adresse. Oui, je viendrai chez vous si vous pianotez France.tv afin de vous inscrire, de remplir la fiche et de regarder Silence ça pousse autant de fois que vous voulez. Refais-le. Oh hey, tu le fais bien. Mais moi, j'ai connu Johnny Westmuller, voyons. Ah bon, monsieur, je veux plus... Bah dis donc, je veux bien qu'on passe au livre. Stéphane, qu'est-ce que tu nous as choisi? Ah, moi j'ai un truc formidable. Arbres et arbustes, le guide des végétaux. C'est aux éditions Horticolor. C'est un guide encyclopédique qui nous présente 2400 variétés d'arbres et d'arbustes avec des fiches chaque fois qui les décrivent de façon à connaître la hauteur, l'envergure, la rusticité et avec une petite description de la plante. C'est vraiment très très riche et peut-être indispensable. Eh bien, le livre que tu as entre les mains va peut-être intéresser celle qui a écrit mon livre, Marie Sciocca, Mon fabuleux jardin en permaculture, aux éditions Terre Vivante, parce qu'elle s'est lancée un pari fou, celui de créer une partie de son jardin en permaculture et de voir quel bilan on peut en tirer. Regarde, sur une année, sur 120 mètres carrés, 606 kilos de légumes, 445 salades ont été produites. C'est génial à suivre. Alors, au fil des saisons, bien entendu, elle nous donne des conseils, mais elle nous donne aussi des recettes. Comme vous l'avez vu il y a déjà quelques semaines, Marie Sciocca est très douée pour la cuisine. Donc c'est vraiment un livre à avoir, une formidable aventure à suivre. Vous avez eu des conseils de livres, vous avez eu des conseils de jardin. Il est temps de se quitter à présent. Alors, à la semaine prochaine.